Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous proposer une petite démo avec nos petits tampons que je viens d'acquérir. Donc j'en ai tellement, je les aime tellement que je me suis dit, allez, je vais essayer de les travailler. Donc je vais prendre mon petit appareil de découpe et on va découper des carrés pour pouvoir essayer de tamponner. Donc je vais faire des petits 2-9, hein. Voilà, je pense que ça va aller pour le tampon, oui, je pense comme ça, je regarde un petit peu, voilà, on va prendre, allez, je vais rajouter encore un de 10, ce sera beaucoup mieux parce que je trouve que c'est un peu petit, voilà, de 10. Faire des petites cartes pour pouvoir un petit peu tamponner notre, voilà, de 10 et de 10, voilà, ça me fera toujours des petites cartes que je peux insérer dans des cadeaux, hein. Donc voilà, là je vais la couper de 10 aussi, 10 sur 10, ça me fait des jolies petites cartes. Voilà, j'en ai une, j'ai 5 tampons. On va en faire 5. 10. Toujours 10. On va prendre de l'autre côté, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Je garde les petites chutes. Alors j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il m'en manquera une puisque j'ai 5 petits tampons, 4, et la cinquième je vais la prendre dans cette chute là. Voilà, j'ai une chute de papier, je vais découper déjà ça et je vais prendre celle-ci que j'avais déjà essayé, 10, voilà, et 10, ça me fera mes 5 petites, mes petits carrés pour faire mes petits tampons. Donc je vais prendre mes petits tampons, enfin mes petits carrés, une petite mousse ou un papier ou un petit tissu, quelque chose, parce que les tampons ont tellement de détails que voilà, il ne faut pas les mettre sur une surface assez dure. Donc je vais prendre la première, hein, et je vais prendre déjà le petit koala. Donc, une petite parenthèse pour le petit koala. Hein. Je voulais répondre à une de mes abonnées qui m'a fait gentiment la réflexion. Hein. Ce n'est pas une réflexion, il ne faut pas exagérer. Elle m'a dit que c'était un petit koala, un paresseux. Donc, je peux bien le dire. Je savais que c'était un paresseux, mais vous savez, le soir, je ne réfléchis pas trop. Hein. Donc, quand c'est le soir, comme là, le soir, je ne réfléchis pas trop, mais je la remercie. Donc, j'essayerai de revoir mes classiques en animaux sauvages. Hein. Je lui promets d'ouvrir des livres. Et surtout que j'en ai plein à la maison. Donc, je lui promets de regarder mes petits animaux sauvages. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Hein. J'aime beaucoup les commentaires. Au moins, ça me permet un peu de discuter. Et puis, les commentaires, ça permet d'avancer dans notre scrap. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve que c'est vraiment très, très, très joli. Il y a vraiment les beaux détails. Vraiment, c'est très, très bien. Donc là, c'est le petit koala. Donc maintenant, je vais prendre ma petite girafe. Donc toujours un autre papier pour voir ce que ça donne. Je regarde la girafe. Elle rentre dans les 10. Et là, je vais mettre un peu plus d'encre parce que l'autre côté, le petit koala, je trouve que je n'ai pas bien ancré. Donc j'ai peur de me salir toutes les mains. Voilà, et là j'espère que on va voir tous les détails. Voilà, voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour la petite girafe. Regardez ce que ça donne, vraiment très très joli. En plus c'est ma préférée. Donc de plus, je rouvre une parenthèse puisque je peux discuter là. Une de mes abonnées, toujours dans les commentaires,
m'a dit qu'il m'en manquait un, le petit éléphant. Donc, comme je lui ai répondu, je suis sûre que le petit éléphant, il y était. Mais tellement je suis distraite, je l'ai confondu avec l'autre série et je ne l'ai pas pris. Donc, je n'ai pas pris le petit bébé éléphant. Donc, j'espère, comme je m'en vais à Lyon chez maman, j'espère le trouver là-bas. Hein. Mais j'étais vraiment peinée de ne pas l'avoir pris. Hein. Voilà, ça, c'est les petits oiseaux. Voilà, c'est vraiment, mais ils sont magnifiques, ces tampons. Hein. Franchement, et c'est vraiment avec une encre très basique, très basique, hein, que je prends chez Emma. Hein. Donc, ce n'est pas une encre qui vaut des mille et des cents. Et ça tamponne vraiment très bien. Donc là, je vais faire la voiture. Je reprends un autre. Et je prends la petite voiture. Donc, je vais la mettre de l'autre côté. Je préfère comme ça. Voilà. Pareil, j'en mets partout. J'en mets tellement partout que j'en mets même sur mes doigts. Mais bon, j'irai me laver les mains avant de continuer ma vidéo après. Voilà, pour la petite voiture. Moi, je mets une petite mousse. Hein. Des moments, je mets aussi du papier de chocolat. Vous savez, à l'intérieur des chocolats qu'on vous offre, il y a une petite, un petit papier un peu, voilà, un peu matelassé. Je me sers ça pour mes tampons. Je trouve ça très bien. Voilà, magnifique, franchement. Ils sont vraiment, ils ont des détails, mais vraiment très beaux. Ils sont très bien faits, ces tampons. Hein. Voilà pour la voiture. Et maintenant, nous allons faire la petite composition de fleurs. Et il me manque le petit éléphant. Dommage. Voilà. Ça m'apprendra. Je suis tellement distraite. Je suis quelqu'un de très distrait. Voilà. Je ne vais pas redire le mot parce que je vais avoir plein de réflexions en commentaire. Donc, voilà. C'est vrai que je mâche mes mots quand je suis émue, quand je suis fatiguée, j'ai ce problème. Hein. Mais je pense que si vous visionnez mes vidéos, vous aurez bien compris à qui vous avez affaire. Voilà. Voilà pour la composition. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais me laver les mains et je vous reprends ensuite. Je vous montre ce que donnent nos petits tampons coloriés. Donc, je vais commencer par la petite composition déjà. Hein. Voilà, la petite composition. Ça va donner ça. Voilà, hein. Je l'ai colorié. J'ai mis un petit peu de colle paillette dessus. Hein. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment très joli à mettre dans une jolie carte. Hein. Donc, je l'ai colorié avec les crayons Aquarel Lab, hein, de chez Action. Hein. Donc, c'est les classiques. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus classique en crayon Aquarel Lab. Donc, je passe... Je ne le fais pas devant vous parce que je pense que dans mes autres vidéos, je les ai déjà fait. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe mon crayon. Ensuite, je prends un petit verre d'eau, mais très attention, hein, faut pas mettre de l'eau. Hein. Donc, faut prendre un petit peu mouillé et repasser dessus. Voilà, chaque fois dessus pour étaler un peu, pour estromper la couleur du stylo, du crayon que vous avez fait. Donc, vous faites... le crayon et après vous estrompez avec un petit peu d'eau. Voilà. Et ça vous donne de très jolies couleurs. Donc voilà pour la petite composition de fleurs. Ensuite, nous avons la petite girafe. Voilà. Toujours. Voilà. Et pour, vous savez, sur les tampons, vous avez des petites, voilà, là c'est orangé, des petites inscriptions là sur le dos, sur quelques taches. Donc moi j'utilise toujours, hein, si vous voyez mes autres vidéos, j'utilise les stylos gel paillettes, hein, pour faire. Donc je trouve qu'ils sont magnifiques ces stylos. Hein. Il faut vraiment les avoir parce que les utiliser, ça rousse vraiment vos créations. Donc voilà,
J'ai mis un petit peu de colle paillette parce que c'est les fêtes. Et comme j'ai l'intention de faire des cadeaux, je les mettrai dans mes cadeaux pour les enfants. Ensuite, j'ai mis des petites étoiles, hein, vous voyez, comme ça fait vraiment les fêtes. Là, c'est la voiture. Donc voilà la voiture, hein. J'ai mis du gris, du stylo gel paillettes autour, voilà, de gris, comme c'était sur le tampon. Et j'ai rehaussé un peu avec de la colle paillette, un petit peu les fleurs, pour faire une jolie petite touche un petit peu agréable. Voilà pour celle-ci. Ensuite, nous avions les petits oiseaux. Pareil, hein, ils ont un petit peu de brillant sur les ailes. Donc, j'ai fait pareil avec les stylos. Et j'ai mis un petit peu de colle paillette, pareil, pour leur donner une jolie touche de fête. Et la dernière, mon petit koala. Hein. Donc, pareil, celui-là, je ne l'ai pas fait. C'était le dernier. Donc, je me suis dit, je vais le faire avec vous. Donc, je vais prendre mon petit gel paillette. Donc, et je reprends mon modèle qui est où? Là, voilà. On me dit qu'il y a voilà, des petits brillants ici. Donc, je vais les faire sur le haut de la tête puisque je ne les ai pas faits. Vous allez voir. Regardez la différence en quand vous ne l'avez pas fait et quand vous l'avez fait. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Regardez. Donc là, je vais refaire l'autre côté. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez la tête. Voilà, regardez la tête avec votre petit stylo gel paillettes. Regardez ce que ça donne. Là, il n'y en a pas. Et là, regardez, il y en a. Donc, je vais faire le dos et vous allez voir un peu l'image, ce que ça va donner l'image. C'est les petits détails, hein. C'est pas trop le coloriage qu'il faut rehausser. C'est les petits détails, voilà, et qui remontent un petit peu l'image, hein, je veux dire. C'est comme dans une tenue, hein. C'est vraiment les détails, les bijoux, Bon. Il faut avoir, comme dit Christina, une pièce maîtresse, voilà. Donc quelque chose qui ressort de votre tenue et c'est pareil pour les dessins, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort. Donc voilà, je vous montre ça, hein. Donc c'est des petits ronds, hein, que vous faites, hein, sur votre. Regardez ce que ça donne. Regardez une fois que vous avez fait, voilà. Donc ensuite j'ai mis un petit peu de gel paillettes, hein, pour toujours les fêtes, hein. Et puis moi je trouve que ça fait joli. Donc j'en prends un tout petit peu parce que j'en ai mis que sur la fleur. Là, voilà. Sur la petite fleur, voilà. Un petit peu de brillant. Voilà. Ça fait tout de suite joli. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà ce que donne les petits tampons, hein, voilà, de chez Action. Je trouve qu'ils sont très très beaux pour le prix 99 centimes d'euros. Donc vous pouvez vous en servir et puis après les redonner à vos enfants, hein, parce qu'on peut bien s'en servir. C'est du bois, donc moi je trouve que ça doit vraiment bien. Et puis ils sont bien faits, hein, franchement, ils sont adorables. Hein. Voilà ce que ça vous donne en coloriage et en tamponnage. Voilà. On va un petit peu le pousser pour avoir sa place à celui-là. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. Je voulais absolument vous les montrer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais bon, on les a pas tous en même temps. Donc je voulais quand même vous montrer un peu ce que ça donne. Vous pouvez les mettre dans faire des petites cartes comme ça, les mettre dans des cadeaux. Vous pouvez faire aussi des petites cartes. On m'a beaucoup dit, c'est vrai, de travailler celle-ci. Moi aussi, j'y avais pensé avec le rail, hein, qui peut rouler, hein. La voiture, c'est pareil, elle n'a pas été beaucoup faite. Bon, moi, je vais essayer de la faire un peu. Donc, il y a plein de choses à faire.
Donc amusez-vous. Le scrap, c'est vraiment de l'amusement, hein. C'est pas vraiment de la technique, etc. Même si on ne sait pas trop faire, c'est vraiment de se détendre et de s'amuser. Je vous remercie d'avoir passé ce moment qui a été très agréable pour moi. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre famille. Et toujours un petit clin d'œil aux mamans. Gros gros bisous à tous et bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.